Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors oui d'ailleurs je viens de voir qu'on était le 14 septembre 1912 donc la plus grande tragédie maritime hors temps de guerre est passée. Voilà, je vous laisse chercher, je pense que vous savez tous ce que c'est. Du coup on va commencer à doubler la voie comme j'avais dit là. On va doubler cette voie là pour pouvoir amener de la nourriture à Arras et aussi prendre du blé ici là. Prendre du blé ici. Puisqu'on est en manque de blé. On va mettre en pause parce que je vais détruire cette partie là pour repasser de l'autre côté. Parce que quand on va arriver à la prochaine gare là. La sauvegarde auto, toujours au bon moment comme d'habitude. Quand on va arriver à la prochaine gare, on risque sinon d'être un peu... on va être du mauvais côté. Donc, hop. Voilà. Ah, j'ai mis 120, tiens. Bon, c'est pas très grave. On peut commencer à mettre des voies à 120. Hein, parce qu'on va pas tarder à les avoir, les trains à 120 km/h. On est quand même en train de bien avancer dans le temps, là. Après c'est marrant, on met des voies à 120 alors qu'on a encore des voies à 50 à certains endroits, mais on va moderniser. Il y aura un épisode modernisation complète, mais on va passer des voies à 120, on va sûrement doubler, notamment Paris-Loivre, faut la doubler, mais bah là Paris-Loivre, ça y est, on va avoir un peu plus de trafic, donc on va avoir le train de nourriture aussi qui va arriver. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé. On va faire le test. Hein. Bah non, mais je suis con, j'ai pas encore. Ah, mais la dernière fois, c'est vrai que j'ai fait le test, mais le test il vaut rien parce que j'ai pas fait l'embranchement ici. J'ai pas fait le raccordement, donc le test que j'ai fait dans le dernier épisode il vaut rien. Parce qu'on a dit, ouais, on passe par la grande ceinture, par la petite ceinture, mais en fait, on avait pas la voie pour passer par. On n'avait pas les voies pour passer par là, donc tu m'étonnes qu'il soit passé par la petite ceinture. Hop! Ah oui, d'ailleurs, on m'avait demandé si j'allais faire la grande ceinture de Paris. Je sais pas, je pense pas, parce qu'on va pas avoir cette place, je pense. Je pense pas, parce que je pense qu'on n'aura pas assez de place, malheureusement. Donc, je pense pas qu'on la fera. On verra, hein, on verra. Peut-être que je vais changer d'avis. Mais le problème, c'est que voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, on passe là. On va là, et après par là on va avoir le raccordement un peu plus loin encore. Oh, parce que là en vrai on pourra le faire, mais ça sera un peu overcheat. On va le faire par là. On va faire un embranchement à 90 comme ça, et derrière on va mettre une voie à 70. Ah, j'ai bien envie de mettre celle-là. Vous savez que j'aime bien cette voie. Merde. Hop. Vous savez que j'aime bien cette voie. Ah, je vais mettre celle-là, allez, vas-y. Vous savez que j'aime bien. J'aime vraiment cet embranchement-là. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas lui mettre des vrais pantos, une vraie caténaire, parce que... Le problème c'est que dès que je lui mets une caténaire, ça rend pas très bien, donc je mets pas une caténaire très propre. Je mets pas de caténaire, mais ah, ça rend bien, j'aime bien cette voie, vraiment j'adore. Hop, et derrière je pense qu'on va doubler jusqu'à Arras, hein. Au moins jusqu'à Arras, même après ce sera même plus loin. Donc on va faire ça. Et derrière, une voie à 120. Hop. Ah, du coup, là, c'est du gros investissement. Là, on investit vraiment beaucoup de thunes. Mais derrière, on sait que ça va être de l'argent qui va rentrer. Hein. Derrière, ça va être de l'argent qui va rentrer.
Non, on va pas remettre le jeu en marche du coup. En x2. Même si du coup il y a de l'argent qui va descendre, hein, puisqu'on a, on a quand même acheté des trucs. Et qui pour l'instant ne servent à rien. On va mettre ça, on va mettre un seul quai. Un seul quai, bim, non électrifié. Maintenant il va falloir faire attention à l'électrification parce qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore de train électrique et ils veulent déjà nous mettre des quatre, la quaternaire. C'est un peu... C'est un truc qui est pas très bien fait. Alors, shift. Et après, de toute façon, je ne, j'électrifierai pas tous les, tous les embranchements partout. Tous les embranchements ne sont pas électrifiés. Hein. Hop. On va mettre un embranchement à petite vitesse parce que là, on va avoir une courbe assez serrée, je pense. km/h, ok. Et je pense qu'on va faire un truc. Est-ce que je fais une TJD ou est-ce que je fais un. Une aiguille comme ça? Oh, j'ai bien envie de faire ça. Voilà. Ouais, comme ça, ça me plaît bien. J'ai envie de faire ça, allez, hop. Et donc, du coup, l'embranchement ici. On va mettre de la signalisation. Alors, un là. Est-ce que là il y a déjà moyen pour le train de se rabattre? Non, j'ai pas mis de moyen ici. Alors là il n'y a pas besoin de passer à double voie ici, donc on va rester à voie unique pour l'instant. Peut-être que plus tard on le passera à double voie, mais pour l'instant ça fait juste une toute petite zone à voie unique, c'est pas très grave. Hein. Ah zut! Pourquoi t'avais pas? Bon, c'est pas grave. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Signalisation. Là, on va mettre de la voie unique. Oui. Là, c'est pas de la voie unique. Là, on va mettre non. Non. Et ensuite, de la voie unique ailleurs. Oui, oui. Là, on va en mettre un. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Un de chaque côté du PN. Un de chaque côté de la gare. Hop. Ah oui, du coup, lui, il est coincé. Haha. Pas grave, tu fais demi-tour. Hop. Merde. Allez, c'est parti. Et donc là, l'idée... la ligne qui est là, réparée. Voilà. Donc là, on va mettre un signal ici, un signal ici, ok. Et ensuite, un signal là. Et ensuite, non. On met un signal avant le PN qui est là, un avant ce PN là, ok. Un ici. Et un ici. Ok. Et donc, voilà. On est jusque là. Et après, on... Après, on continuera. Et donc, du coup, là, on va pouvoir amener du blé. Nouvelle ligne. D'ici à... Ici. Ok. Et donc, ça, c'est... c'est céréales. Cambrai. Céréales, cambrai. Ok. Et donc la ligne, elle se finit où que je vois? Elle se finit là, ok.
Ouais, non, pas ok parce que c'est sur le même, endroit où il y a. Où il y a déjà. Ah non, mais il y a, non, il y a qu'une ligne, c'est bon. J'allais dire, il y a. Mais il y a deux trains. Oui, non, non, il y a deux trains, donc non. Serral-Cambrai, à Soissons, tu. À Soissons, pardon. Tu vas aller voie 3. Voilà. Ça va éviter que. Et donc, du coup, achat du véhicule, vapeur. On va mettre une puissante pour avoir beaucoup, pour pouvoir embarquer beaucoup. Hop. Et marchandises. C'est cela. Donc ça, ça prend 10, 8. Mais ça, ça prend pas. Ça prend pas de blé, par contre. Donc non. Hop. Et on va mettre de la longueur. Médiocre, donc non. Hop, on s'arrête là-dessus. 88 de capacité. La petite save auto. Et on envoie sur la ligne de céréales Cambrai. Parfait. Ah, il y en a un qui arrive en face. Pile poil au mauvais moment. Mais au moins, ça va laisser le temps de produire ici, là. Ah, ça peut produire, c'est parfait. Ça peut, mais ça produit pas. Ouais, parce qu'elle, elle tourne déjà. Elle tourne déjà bien. Ah, on est au niveau 3 déjà. On est passé au niveau 3, j'avais pas vu. Ah mais ça en fait ça. Ouais ça produit ça. Ça ça fait. Ça le fait. Ça amène déjà. Même si ouais ça amène mais c'est pas. Ouais c'est quand même ça manque quand même quoi. Ça manque quand même un peu de. Ah voilà ça y est ça commence à. Ça commence à se faire. Ah voilà. La production augmente, c'est parfait. Mais là, on va quand même ajouter des camions. Parce que ça a pas l'air d'être... Ah, quoique. Si, en vrai, si. Si, si, en vrai, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Non, c'est bien. Mais ça manque... Voilà, on manque quand même de nourriture ici, de céréales ici. Donc là, le train supplément... Enfin, le train qui va amener des céréales en plus, c'est pas une mauvaise idée, je pense. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Faut juste que ça produise... Et voilà, c'est parti pour produire 199, 200. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va se faire. Faut attendre que ça se fasse, vraiment. Et donc, bah, nous, on va continuer notre ligne ici. Pour amener toujours plus de nourriture dans les villes. Alors, il va falloir qu'on passe de l'autre côté aussi. Parce que là, je crois que ici, à Arras, ouais, il va falloir passer de l'autre côté. Donc on va mettre en pause. Hop. Ah non, on va laisser passer le train parce que sinon ça va bugger. Tiens, d'ailleurs, je reste toujours en x2, mais en fait le x3 fonctionne encore. Sans trop de perte de FPS, donc c'est cool. Hop. On va détruire ça. Bah non, mais du coup, oui. Là oui, il faut que vraiment je me mette en pause. Hop. On repart d'ici, on vient jusque là, voilà, du coup on est raccordé, on peut remettre le jeu en marche, normalement ça bug pas, non voilà il a bien compris qu'il y avait une nouvelle ligne, hop, merde, ouais c'est bon, hop, et on place la deuxième voie. Par la suite, ça va être super intéressant parce qu'on va avoir aussi la ligne vers... on va continuer ensuite vers le sud. On va faire la ligne aussi vers... on va aussi doubler vers Rouen. Et après, on fera le Rouen-Le Havre en double. Pour pouvoir amener la nourriture jusqu'à la fin. D'ailleurs, oui. Est-ce qu'il y a d'autres villes par là qui auraient besoin? Parce qu'on a dit que... Alors, il y a le Tréport aussi qui a besoin. Dieppe. Là, Le Havre, non.
fécond non plus. Ouais, si, c'est, doubler ici, c'est intéressant. Doubler ici, c'est intéressant. Doubler ça, ça... Ça va peut-être pas rapporter grand-chose, mais... Ah, quoique si, parce que regardez, on a du monde dans les gares. Si, si, on a du monde dans les gares, donc on peut se permettre de doubler. Mais du coup, à Cirque... Oh, à... Ah non, je crois qu'à Cirque, on y a un embranchement comme ça. Il y avait, puisque la ligne est fermée, il y avait, je crois, un embranchement qui repartait comme ça. Il me semble. Oula, 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 oula. Attendez, mais à Bancourt, c'est plein. pour Beauvais, il y a 155 personnes. D'accord, ok. Non, mais c'est bien. Hein. Lui, il est... Attends, me dis pas qu'il est déjà plein. Non, il est qu'à 30, ça va. Mais ah, ça fonctionne bien. La ligne fonctionne vraiment bien. Donc, ouais, cool. Ça fonctionne, c'est cool. Donc, on va continuer notre ligne, là. On va continuer à doubler, ici. On va continuer à doubler ici, hop. Mettre... Merde. La deuxième voie, donc la voie voyageur. Deuxième voie voyageur et mettre une voie fret à côté. Hop. Le quai voyageur. Hop. Le rail de fret. Ok. Ah, et le train qui repart. Et du coup, nous, on met un quai de marchandises ici. Et hop. Et donc, on met le bâtiment. Bâtiment de marchandises. Hop. On va le mettre ici. Voilà, parfait. Et donc maintenant on peut raccorder. Donc on raccorde la voie voyageur. Et en moins rapide, on va mettre à 70. On va raccorder la voie de fret. Hop là. Parfait. Et on met une TJD. Oui. Ok, donc là on peut amener de la nourriture jusque... Arras. On va mettre une rue. Enfin, on va mettre d'abord une route comme ça et on verra si... Peut-être que le jeu va le passer en rue après. On va rejoindre la route qui est là-bas. On va mettre un bâtiment comme ça. Long. Puisqu'on aura de la marchandise à décharger. Hop. Acheter, configurer. Comme c'est un long chemin, je pense que je vais mettre un long quai pour essayer d'avoir un seul train. Mais qui va amener beaucoup d'un coup, quoi. Et du coup, on va là. Voilà. Par contre, j'ai pas vu, mais la ville, je crois qu'elle a pas besoin de beaucoup, hein. Elle a besoin de 42. Mais après, vu que c'est des trains qui seront longs à arriver. Ça va être des trains longs à arriver, donc... Donc c'est pas mal. Derrière, on repasse... Pour l'instant, ça, on va le repasser à une voie. Et on va mettre la signalisation. Voie unique, oui. Ok. Voie unique, oui, ici. Non, ici. Et donc là, normalement... Oh, la ligne va être cassée. Hein? J'ai mis oui, ici. Oui, j'ai mis sens unique, oui, mais elle est pas cassée. Ah si, elle est cassée. Ah non. Pourquoi elle est pas cassée? J'aime bien, je demande pourquoi elle est pas cassée. Enfin, si elle est cassée, mais...
C'est bizarre, ça me dit pas qu'elle est cassée. Donc là, un sens unique, oui. Et là, elle va être cassée. Là, si elle est pas cassée, c'est qu'il y a un problème. Toujours pas. Oh là, oula, oula, je... Vous savez quoi, je sens venir le... Je sens qu'il m'a fait un truc. Ce jeu est formidable. Ce jeu est formidable. Regardez, regardez. Attendez, on va suivre le parcours parce que c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Ça, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Hein? Attendez, mais elle est passée où? Ah, attendez. On va juste mettre celle-là. On va tout fermer. Voilà. Ok, d'accord. Beauvais. Ouais, il va aller sur la petite ceinture, quoi. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce jeu. Je te jure, ce jeu. Voilà, la petite ceinture. On remonte par là. Non, mais... Formidable. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Dommage que j'ai pas la musique du troll, mais j'aurais mis la musique du troll, c'est pas possible. Le jeu m'a troll royal là. Le jeu me troll, c'est pas possible. Parce que du coup voilà, il revient là. Et il fait un petit passage là. Formidable, formidable. C'est... Ah là 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 là. Donc, bon, on va quand même... On va l'empêcher de faire ça quand même, parce que bon, c'est... Je sais pas quoi dire. Franchement, là... Donc, 3... Donc, Arras... En 4... En 4 il est bon, donc c'est en 2 qu'il est pas bon. C'est en 2 qu'il est pas bon, il faut qu'il passe voie 2. Rassure-moi du coup que maintenant il fait plus le... On va quand même s'assurer qu'il fait plus le détour. Parce que connaissance du jeu, ça... Non, c'est bon. Ce jeu est formidable, hein. Oh là 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 là. Putain, c'était... C'était n'importe quoi. Attends. Hop. Allons, on remet le jeu en marche. On va mettre un peu de x3. Hop. 1 là. Un de chaque côté du... Hop. Ah, pas ça que je veux faire. Hop là. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on débloque? Des nouvelles locks. Ok, des nouvelles locks. Oh, des locks UK. Donc ça doit être United Kingdom. Ça c'est intéressant. Parce que vu qu'on a une petite partie d'Angleterre à faire, ça peut être intéressant à faire. Ça peut être intéressant. Lui c'est bon. Donc du coup c'est bon. Là on va pouvoir amener du coup de la nourriture à Arras. On a mis le quai. Donc c'est parfait. Nouvelle ligne. Départ d'ici. Arrivée ici. Pour l'instant on va pas mettre de nouveau quai puisque on va se mettre sur quai numéro 3. Il est pas très rempli pour l'instant. Ou non, quai numéro 1.
Il est pas très rempli pour l'instant. Et donc ça c'est nourriture. Arras. Ok, nourriture Arras, parfait. Ah, ça circule beaucoup, hein. Ça circule vraiment beaucoup. Et on est au niveau 4. Ouh là là, ouh là 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 là. Oh, puis là, ça produit. Oh, on pourrait limite mettre un. Même, je pense même mettre un deuxième train. On va voir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est le train de chargement? Ah, il est là. Ah, il attend parce qu'il y a un autre. Hop, le train de l'âne qui est plein. Ça, c'est parfait. Ah, limite, il va falloir doubler ça aussi. Hein. Limite, il va falloir doubler la ligne ici parce que... C'est trop plein. Il y en a partout. C'est blindé. C'est blindé. Parce que là, en plus, on va rajouter un autre train encore. Donc... Oh, la vache. La vache. C'est violent. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, du coup, dans la ville... Dans la ville, il va falloir faire la ligne de desserte locale. Donc au départ d'ici. Jusqu'ici. Donc c'est C, nourriture. Arras. Ok. Est-ce qu'on a un dépôt? On a un dépôt ici. C'est parfait, c'est nickel. Et donc on va mettre... deux camions. Qui pour l'instant n'ont pas de desserte. Et on va mettre un dépôt ici pour pouvoir ajouter un train à partir d'ici. Ça sera plus intelligent. Comme ça il va arriver là-bas, il aura déjà à récupérer. Hop. Et donc on va faire un train. On va mettre une lock midi 2035. Hein. Elle est vachement bien. Une midi 2035. Midi 2035, elle est où? Ah sinon il y a les UK. Qui roule à 90. Mais après par rapport au reste, c'est pas très intéressant quoi. On va remettre une 2035. Marchandises. Hop, ça. ...72 de capacité, je pense que c'est très bien. Et donc, allez sur nourriture à race. Est-ce qu'on se fera pas un petit cabright? Allez, c'est parti. Un petit cabright, ça va faire du bien. Bon, je te dis, du coup, il y a des petites pertes de FPS, mais si je le fais en x1, là, on va mettre très longtemps. Ouais, quoique, non, si. On peut le mettre en x1, je pense. Oh oui, là, on est même en x3. x3, c'est vraiment trop. Hop. Allez, c'est parti. Donc, comme ça, ça finit la vidéo sur un petit truc un peu cool. Une petite balade en cabine. Ah, c'est dommage, elle manque vraiment de puissance, ces locks, hein. Enfin, c'est pas qu'elle manque, non, elle manque pas de puissance, mais elle manque de rapidité. Elles vont pas assez vite du tout. Je sais pas, parce que elles sont jolies sinon. Hein. Enfin, j'aime bien moi perso, mais elle manque de rapidité quoi. C'est tout l'inverse des 030. Elles sont magnifiques. Elles manquent, mais elles manquent de puissance. Elles manquent de puissance. Elles sont magnifiques, elles sont rapides, mais elles manquent de puissance. Elles manquent pas de puissance, mais elles manquent de rapidité. Enfin, elles sont rapides, elles roulent à 80, quoi. C'est rapide pour l'époque, quoi. Hop. La voie enherbée. Oh, j'adore.
Oh, le bruit. Le bruit. Hop là, et c'est parti sur la partie à double voie. Direction la gare marchandise pour charger de la nourriture. Là, on passe à côté de la ferme qui est pleine. Ouais, je pense que dans le prochain épisode, on va se charger de passer tout à double voie, hein. De passer toute la zone. Alors, on a un train qui arrive en face. Je pense que c'est le train de... Ah non, c'est le train de voyageurs. C'est le train de voyageurs. Hop, on passe la gare voyageurs de Soissons. De Soissons, pardon. Non, c'est pas Soissons, ça, c'est... Non, c'est Cambrai, je suis con. C'est Cambrai. La petite save auto, comme d'habitude, toujours bien placée, la save auto. Hop, et le voilà, le train de marchandises. Hop, la montée qui se fait sans souci. On est en catégorie. Là, on est en. On reste en bonne, quoi. En traction bonne. Donc. Bon, on est à un wagon du médiocre. Hein, donc, bon. C'est quand même pas formidable, mais. Ouais, on reste à 63 km/h. C'est pas mal. Hop, le petit passage à niveau. km/h, on est bien. On est quand même pas trop mal. Même dans la montée, là, on a perdu 2 km/h, ça va, quoi. Le signal est ouvert, parfait. On voit un autre train passer là-bas avec la fumée. La fumée. Putain, c'est ça qui est bien avec les trains à vapeur, c'est qu'on les voit de loin. Hein. On les voit de très loin. Et hop, c'est vert. Donc on peut rentrer sur le P. Et on arrive à l'embranchement particulier de Soissons. Une usine de nourriture de Soissons. Alors qu'il y a un train déjà dans l'usine, on l'a vu, on a vu la fumée. Ah, le signal est ouvert pour nous, donc c'est parfait. Ouais, tout ça va falloir le doubler parce que regarde, il y a le train qui attend là du coup. En plus on va sur la voie... À côté, donc pas top. Hop, et voilà, et on arrive. Et on a le train d'à côté. Ouais, non, il est pas plein du tout, mais. Mais voilà, on va pouvoir charger de la nourriture pour Arras. Et donc, c'est plutôt cool. Et voilà, et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. On va charger combien là? On charge. Oh oui, 11. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en vrai. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch, puisque je suis en live, je vous rappelle, tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche, à partir de 17h sur Twitch, le lien en description de la vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.